Y a quelqu'un pour le weekly vlog numéro 33? C'est parti? On le remet en route? Nous sommes là. Nous sommes lundi matin. Il est exactement 10h moins le quart. On dirait une grenouille. Je suis exténuée. Ah, faire la chouille, hein. C'est pas de mon âge. C'est plus de mon âge, hein, c'est plus de mon âge. J'ai pas trop mal dormi, franchement. Mon nounou, ça a été très sage. Franchement, c'est grâce à Tata. Hein. Tata l'a la main avec Nunus. Aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. J'aimerais bien... qu'est-ce que j'ai à faire? Voir ce que je sors en viande au niveau du congélateur. Voilà, comme ça je cuisinerai demain, pour que le temps que ça se décongèle. Là, j'ai au moins 2 lessives à faire, si ça tient sur l'étendard. Je viens d'en mettre une en route. Je viens de nourrir mon tout petit, préparer tous mes médicaments pour la semaine. C'est très important hein, pour la vieille. Il faut que je fasse les comptes. Qu'est-ce que j'ai à faire? Mon montage du weekly vlog numéro 32. Parce qu'évidemment, vous ne l'avez pas vu, vous l'avez pas eu dimanche soir. Bref, une montagne de choses à faire. Là, je vais commencer à répondre à vos petits messages sous ma dernière vidéo produit terminé. J'en ai 70. Enfin, hier soir, j'en avais 70. Là, je ne sais pas. Par contre, là, je vais courir à la salle de bain pendant que mon tout petit a le ventre plein et ne me cherche pas trop. Voilà, voilà. On va faire les choses au fur et à mesure. Donc déjà là, on court à la salle de bain. Et puis, on répond au message. Voilà. Et on attend que la lessive se fasse. Il y en a pour 2h30. Aujourd'hui, par contre, les lessives et les comptes. Ça, c'est certain. Et vos messages, mes chatons. Bon, allez. Je vais manger parce que je tremble comme une feuille. C'est une catastrophe. Mais surtout là, j'avais pas pris mes médicaments. Ils n'étaient pas prêts. Donc, voilà, voilà. Bon, allez, à tout à l'heure, mes chatons. Mon nounus fait dodo, on va à la douche. Ça y est, la douche est prise. J'ai plus de voix. Il est 11h15. Je viens de sortir de la viande hachée, des saucisses de Strasbourg, du jambon blanc et des... Comment ? Croque-monsieur du congélateur. Voilà. Là, je vais petit déjeuner. Oui, 11h15. Hop. Tranche de pain de mie complète avec du beurre et un déca. Et pendant ce temps-là, mes chatons, je vais faire la commande de pâté pour mon Nunus et je vais préparer un drive pour demain. Parce qu'il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Et c'est pas ma sœurette qui a mangé. Hein. Non, 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 elle ne s'est pas servie. Il fallait, elle n'a même pas pris des fruits, rien du tout. Là, 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 là. Bon, allez, on fait le drive, on fait la commande pour mon Nunus et on petit déjeune. Ça vous dit? Bon appétit. Alors, il est exactement 14h moins le quart, mes chatons. J'ai pas mangé, vu que j'ai petit déjeuner à 11h15. Pour l'instant, je n'ai pas faim. Je vais peut-être faire une sieste, ouais, avant de faire mes montages. Voilà, j'ai commandé pour mon Nunus, tout ça. Là, j'ai étendu une lessive et j'en ai mis une deuxième en route. Mon tout petit veut absolument que j'aille sur la terrasse. Il fait trop chaud. Nini. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. Maman va faire un dodo pendant une bonne heure et demie. Et puis quand la deuxième lessive sonnera, elle la mettra à sécher. Et là, il faudra que je fasse quand même mon montage de weekly vlog. Les comptes, je verrai ça mercredi, je pense. Mercredi. Ouais. Weekly vlog en priorité. Et voilà. J'ai commencé à répondre à vos petits messages. Merci pour le bon anniversaire. Ça me touche énormément. Il ne veut pas manger sa pâtée. Ça me perturbe. Nini. Oui, j'arrive. Ah, moi, je me mets sur la terrasse pour dormir. Mais, on va faire ça. Oui, une petite sieste. Parce que là, je ne suis pas connectée. Je ne suis pas connectée. Allez, un petit dodo. Et quand la lessive sonnera, j'irai l'étendre. Bonne sieste. On va faire du gras. Mes chatons, il est exactement 19h15 et tout petit refuse ses pâtés depuis ce matin.
Ça m'angoisse. Il refuse tout. Par contre, là, il mange du thon. Est-ce que c'est du caprice? Est-ce qu'il nous boude parce qu'on l'a laissé un week-end avec Tata? Je ne comprends pas. C'est du caprice, hein? Que pensez-vous? Parce que là, il mange. Ah, veuillez m'excuser, c'est ma sœurette. Je vous montre après ce qu'on mange. Alors, ce soir, moi, ce sera du jambon blanc avec des petites tomates et un pamplemousse. Parce que à midi, j'ai pas mangé et j'ai pas goûté. J'avais pas faim, j'étais tellement fatiguée. Et mon kidou, eh ben, une salade catalane avec des petites tomates cerises, deux croque-monsieur, un pamplemousse et un yaourt nature. Voilà. Et tout petit, dans sa journée, n'a mangé qu'un petit peu de thon. Ça m'énerve, ça m'angoisse, vous pouvez pas savoir. Voilà, mais c'est tout. Sinon, eh ben, je suis à jour dans tous mes messages. Ma dernière vidéo est tombée, là, je fais ma valise. Et puis, j'ai pas eu la force de monter mon weekly vlog de dimanche. Veuillez m'excuser. Je suis exténuée et très douloureuse. Je vais essayer de vous le mettre rapidement. M'en veuillez pas. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à demain matin. Bon appétit. Nunus, promets au tâton et au tata que tu vas manger. C'est stressant, hein? Ah, les gosses. Nous sommes mardi matin. Il est exactement 10h30. Je surveillais depuis un quart d'heure. Mon tout petit, il a bu un coup. Voilà, je l'ai installé sur la terrasse. Mon petit chat d'amour. Mon Ninus. Voilà, avec son petit doudou. Et moi, je fais petit déjeuner. Un petit déca et des tartines. Deux pains de mie complets avec du beurre. Coucou mon ange. Ça va ma pouille-pouille? Petit bonhomme. On est bien, hein? Il fait combien? Attendez, j'ai pas mes lunettes. Il doit faire 18. 18 ou 19. Non, Nunus. Oui, mon petit ange d'amour. Et ils ont prévu 28 ou 30. Aujourd'hui, ce sont les courses et je vais aller... Vous faites pas attention, je suis exténuée. Je vais aller un petit coup à Grand Frais chercher des fruits et un petit coup... J'ai fait un drive, voilà. J'ai fait un drive assez conséquent et je referai des courses Grand Frais et Drive vendredi. Moi j'aime bien, c'est le vendredi, je vais retomber sur mes pattes comme ça. Tous les vendredis, je ferai les courses. Et normalement, peut-être que ma sœurette vient avec moi. Bon allez, sur ce, je vous dis bon appétit. La petite campagne, tu réveilles tout doucement. Soleil pas trop chaud, profitez-en parce que ça va encore cogner. Ouais, Burke. Bon allez, je petit déjeune. Après, je regarde vos commentaires, ma banque, etc. Et discrètement, il faudra que j'aille à la douche. Le petit bonhomme, il va me chercher. Bon appétit. Mes chatons, il est exactement midi et demi. Nous allons manger avec mon petit bonhomme d'amour. Qu'est-ce que c'est? J'ai réchauffé un vieux croque-monsieur à mon kidou et j'ai sorti du jambon blanc. Voilà, vous savez tout. Il n'y a plus rien dans le frigo, j'ai pas fait la viande hachée. Il fait un cagnard, il fait déjà 25 dans la maison. Puis je ne peux pas fermer parce que mon tout petit, s'il veut prendre le soleil, eh ben, il peut. Voilà, il est allé un petit peu au soleil ce matin. Il tournicote, mon petit bonhomme d'amour. Oui, maman va donner. Voilà, je suis habillée, j'ai mis mes bijoux, et puis, ouais, tranquille, hein, je ne veux pas partir avant, je pense, 15h. Si je peux, parce que toute la rue est en travaux encore jusqu'en décembre. En décembre, ça fera un an qu'on est là, et on en est déjà à presque un an de travaux jusqu'à décembre. Il faut le faire. Bref, donc, ouais, j'espère que je vais pouvoir sortir pour aller faire les courses. Je vais aller à Grand Frais. Au drive et un petit coup à Jiffy, je cherche la barrière aux insectes. Non, mais parce que cette nuit, non, mais deux migales, non, je exagère, mais deux énormes araignées grosses comme la jointure de mon pouce, quoi, tout ça là.
Énorme, il a fallu que je réveille mon kidou deux fois. Oui. Parce que moi, c'est la panique à bord, hein. C'est phobie attitude. Voilà, donc du croque-monsieur jambon. Et puis après, on se repose encore un peu, on fait des câlins, et on ira tranquillement se pomponner légèrement. J'ai pas envie de me maquiller. Quand le moral n'est pas là, le maquillage n'est pas là non plus. Je ferai du vite fait, le teint, un peu de rouge à lèvres, de blush et tout. Je ferai pas trop les yeux. Voilà mes chatons, vous savez tout. Et puis, ben, je vous montrerai tout ça avant de partir, ma tenue complète. Et puis, ben, dusme, pas avant 15h. Allez, bon appétit. Vie, mon bébé d'amour, je vais te donner. Petit chat d'amour, je l'aime tellement. Il est exactement 14h, mes chatons. Je viens de finir de me maquiller. Voilà. J'ai tout fermé. J'ai mis mon tout petit dans le noir. Il fait son dodo. Mon petit bonhomme. Fais dodo, mon chat. Voilà. Je vais y laisser le ventilateur. Alors, mes chatons, je vous emmène dans la chambre pour vous montrer mon maquillage. Je vous montre déjà les petites chaussures que je vais mettre. Ce sont des chaussures Nose. Vous savez, les chaussures gel. Spéciales chaussures grand-mère, non. Spécial confort que j'ai eu à 3,99€ chez Nose. Voilà, je vais mettre ça. Tranquille, mimille. Et donc, je vais vous montrer comment je suis maquillée, mes chatons. Alors, comment est-ce que je peux vous montrer au mieux? Voilà. Voilà mes chatons, le make-up du jour. Alors, je suis hyper cernée, hein. Fatiguée d'avoir fait la chouille. Voilà, j'ai fait du kaki. Un kaki doré, petit highlight doré. Voilà, et du rouge à lèvres qui pète. Voilà mes chatons. Alors, en boucle d'oreille, j'ai mis des petites boucles d'oreille. CC Paris, que j'avais chez Nose à 99 centimes. Là, ce sont des boucles d'oreilles AliExpress à 60 centimes la paire, les petites puces là. J'ai mis ma montre évidemment. Alors attendez, je vais dézoomer. J'ai mis mon collier long, mon sautoir CC Paris à 99 centimes et une petite bague CA 99 centimes. C'est tout. Un make-up, hop, petite palette de chez Nose, highlight de chez AliExpress, blush de chez Nose, rouge à lèvres de Kiko, et voilà. Alors, ma tenue, mes chatons, et eh ben c'est tout simple. Vous savez, moi, c'est bon plan petit prix. C'est la tunique de chez CEA. Vous savez, rayon chemise de nuit. Pourquoi elle ne fait pas le focus? Ah, voilà, la kaki, un petit legging gris et je mettrai mes chaussures. Et c'est tout. Voilà mes chatons. Et alors, je vais vous montrer mon make-up que j'ai utilisé. Toc. En premier lieu, j'ai utilisé un petit parfum que j'avais eu chez Nose, de chez Love to Love. Voilà, je l'avais à 1,39€, je crois. Il est très très acidulé, j'adore, là c'est la fin de l'été. Et bon, il va faire 2-3 jours, hein. Franchement c'est tout petit. En rouge à lèvres, le fameux rouge à lèvres orange, c'est un rouge à lèvres Kiko. Les Velvet Matte, c'est le 308. Hop, est-ce que vous allez voir? Oui, le 308, je vais vous le montrer. Ok. C'est un orange qui pète comme ceci. Là, vous voyez bien la couleur. Je le mets de temps en temps. Zou. Ensuite, mes chatons. En base de mascara, j'ai mis la base P2 que j'ai eu chez Nose à 99 centimes. En mascara, le petit. Alors, est-ce que c'est le violet? Oui, j'ai. Non, j'ai mis le vert. J'ai mis le L'Oréal. Ah non, c'est l'autre. Le L'Oréal Fatal Million de Cils de chez L'Oréal. Bravo. Ensuite, en palette, eh ben, j'en ai utilisé une seule. J'ai utilisé ma Models Own Supernatural que j'avais eu chez Nose à 5€. Voilà.
Et vous les aviez trouvés 6 mois après à 2,99. J'ai utilisé ce matelas pour faire la banane, ce petit doré-là, pardon, léger en dessous de sourcil, et en fard à paupières, ce doré froid-là, avec des reflets verts, sur la paupière mobile. Et c'est tout. C'est tous mes chatons. Franchement, Modern's Own, j'aime bien tous leurs produits. J'ai même des blushs, voilà, et des blushs que j'avais eu chez Nose, des fards à paupières crème comme les Super Shock Shadow de Colourpop, et ils font des articles extra. Ensuite, en blush, eh ben, j'ai mis un blush de chez Nose que j'ai eu, je sais plus, 1,39€, un truc comme ça, voilà, de la marque Essence. C'est celui-ci. Après, je le mettrai beaucoup moins cet hiver parce qu'il est quand même assez... Ah, ouvre-toi, patate. Nah, voilà. Il est quand même assez foncé. Mais en tapotant bien son pinceau, il est magnifique. Alors, c'est mi-bronzer. Hein. Moi, je le mets en guise de blush. Il est génial. Ensuite, en highlighter, j'ai mis un highlighter de chez AliExpress. Voilà. De la marque Emadou. C'est le 06. J'ai payé ça 1,80€ et des poussières. Il est magnifique. Il a des reflets dorés. Splendide. Franchement, magnifique. Je vais vous faire un swatch. Regardez. En fait, il a des reflets dorés, doré-orangé, c'est superbe. Un peu plus d'un euro que de mode le peuple. Ensuite, j'ai mis en poudre, ça passe pas, j'ai mis ma P2. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne, que j'avais eu à 1,99 chez Nose, c'est la 0,10. En sourcil, j'ai utilisé la palette Dark de chez MUA que j'ai eu à 1,99 chez Nose. Voilà. Je vais vous montrer les deux couleurs que j'ai mélangées pour mes sourcils. J'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Voilà. Et j'ai utilisé la cire qu'il y a dedans pour fixer le tout. Franchement, super pigmenté. Vous pouvez même utiliser ces palettes pour faire des liners... le long des cils, hein. Ils sont hyper pigmentés. Je vous les conseille à 10 000%. Pour fixer mon maquillage, toujours le Fixing Spray de Max & More à 1,99€. Je le finis. Pour fixer les fards à paupières, toujours mon concealer MUA, 99 centimes de chez Nose. En anti-cerne, j'ai mis de chez Georges et de chez Nose. Je crois que c'est 99 centimes. L'illuminateur concealer. Alors, pépère, tu ne veux point faire la mise au point? Ah, voilà. Voilà mes chatons. Et puis, ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. Oui, voilà. Et donc, ça donne ceci, mes chatons. Je vais me tourner correctement. Zoomer légèrement. Voilà. On voit bien le petit highlighter. Voilà mes chatons, ce que ça donne. Vous voyez, c'est un doré vert. J'adore. J'avais pas envie de mettre de kaki, réellement un kaki. Et voilà ce que ça donne. La coupe, demain, faut que je me lave les cheveux. Je me ferai un shampoing sec, je verrai bien. Voilà mes chatons. Bon allez, j'emmène le rouge à lèvres, le petit parfum. Je vous ai tout montré. J'ai toujours pas détendu mon linge. Oh, c'est nature peinture hein, chez moi. Là, je ne sais pas si vous verrez mieux. Non, la lumière est artificielle et est assez jaune. Donc, vous avez mieux vu dans la chambre. Allez, je me repose encore un peu. Je réponds au dernier message tombé. Et je vous montre ma tenue complète avant de partir. Il est quelle heure? 14h? Oh, je pars dans une heure. Ouais, j'ai pas envie de partir très tôt. Ouais, dans une heure, dans 45 minutes à peu près.
Je vais grand frais, un coup jiffy pour le produit, je vous ai dit quoi? La barrière aux insectes. Je vais essayer de trouver ça parce que alors, ce magasin, il est tellement grand que je m'y paume. Et moi, je suis dans les magasins, mieux je me porte. Il n'y a que chez Noz où je me sens bien et chez Action. Voilà. Et puis après, eh ben, j'irai au drive. Voilà, voilà. Allez, je me repose un petit peu le dos. J'ai trop mal. Je ferai un câlin à mon fils et puis je vous montrerai ma tenue entière. Et voilà mes chatons, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Allez, 14h05, je me repose le dos. Vous avez mal au dos, vous? Ben moi, oui. Allez. Oh, puis on a le temps. On a le temps! Alors, voici ma tenue complète. Il est 15h, il est temps que j'y aille ou je grince. Voilà mes chatons. Oh ben, c'est tout simple. Voilà. Ma tunique, mon legging gris et mes petites chaussures Noz. Voilà. Un peu mémé, mais pour faire les courses, ma foi, c'est largement suffisant, mes chatons. Voilà. Hop. Comme ça. Cool Raoul et confort d'abord. Allez, j'y vais, je prends mes sacs de course et on se retrouve pour tout déballer. Hein, mon petit Nunus. Au fait, mon bébé d'amour. Non, c'est pas vrai, je vais grincer comme ça dans les magasins. C'est pas discretos. Hein. J'y vais. Oh, il fait chaud là-dedans. Tout petit pas creux, fais dodo. Fais dodo, mon tout petit. Allez, à tout à l'heure, mon ange. On revient avec les courses et on déballera tout. Me voilou. De course, de retour de course, mes chatons. Il fait une chaleur. Puis, il est exactement 17h15. Je suis rentrée depuis un quart d'heure. Le temps de remonter les courses avec mon kidou. Du premier étage, pardon. Et on essaie de faire manger mon fils, mais il refuse. Une bonne pâtée bien fraîche que mon kidou vient d'écrabouiller. Piou, piou, il tourne, il tourne, il tourne. Il fait tourner son papa en bourrique. Et il refuse de manger. Minus! Minus! Maman va emmener au docteur. Le méchant monsieur la blouse blanche. Je suis allée un petit coup à CEA. J'ai trouvé 2-3 petites pépites. Hein. Et puis je suis allée un petit coup à Jiffy et j'ai trouvé mon Repulse Insecte. Il y en avait deux sortes. Il y avait le répulsif naturel 100% huile essentielle. J'ai pris celui-là et sinon il y avait le destructeur d'insectes. Produit chimique qui tue, vous le mettez autour de la fenêtre, pareil que l'autre, mais ça tue et voilà quoi. Non, là ça répulse l'animal, qu'il soit rimpin ou venin. et c'est pas dangereux pour les animaux domestiques. Voilà, j'ai pris celui-ci. Et puis ben voilà, je reviens du drive et de grand frais. Et comme vous pouvez voir, tout est allé et arrangé. Voilà les courses, les courses, les courses. Allez, j'y vais. Et après, je cours dans la salle de bain. Papa est en train de s'occuper de son fils. Pauvre petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a, Minus? Qu'est-ce qu'il fait sur le lit, petit chat? Ne fait des sottises. Ouah, ne fait des sottises. Qu'est-ce que tu fais, Nini? Viens manger. Oh, les tatons, ils vont pas être contents, les tatons de YouTube. Hein. Ouh, les pouilles. Allez, mes chatons. Sur ce, je range les courses et je cours à la salle de bain. Ce qui fait les rayures, là, c'est ma lumière artificielle. Venez m'excuser de la qualité. Je suis un peu jaune, mais j'ai tout fermé. Il fait une canicule. J'ai 26, presque 26 dans l'appart et j'ai tout fermé. Bon allez, c'est parti, au boulot. Non mais bouge-toi la grosse. C'est pas possible. Allez mes chatons, il est exactement 18h30. J'ai pris ma douche, je me suis même lavé les cheveux, ça me rafraîchit. Mon tout petit refuse de manger sa pâtée. Par contre, le reste il veut bien. Mon kidou s'est fait une bonne portion de pâte. J'aime bien les tortillons comme ça, les papillons. Ouais, avec de la viande hachée et puis il a mélangé les saucisses de Francfort avec. Il les a pas fait séparer. Allez, boogie boulga.
avec un petit yaourt nature et un pamplemousse. T'as vu, je t'ai acheté les fruits, mon petit chat. Il y avait des clémentines, ça y est. C'est les premières. Elles sont pas données, mais bon, elles sont belles. Hein. Et moi, des petites tomates cerises, du thon, du jambon blanc. Aïe, j'ai mal aux yeux, j'ai peut-être pas bien rincé mes yeux. Et puis, ce soir, je compte manger des cochoncetés, donc voilà. Et on va partager tout ça, Lily. Puis maman, elle a goûté tard. Puis le midi, je mange à 13h et tout. Je suis un peu décalée. C'est pas bien. C'est pas bien d'ailleurs. Tiens, je me disais, j'ai l'impression d'être un lézard desséché. Vous savez, ça me tire. Mais j'ai pas mis de crème. C'est mon kidou qui s'est fait à manger. La grosse feignasse, elle avait pas envie, il fait trop chaud. Oh, il travaille dur et en plus, c'est lui qui se fait à manger. J'ai honte, pauvre doudou. Allez, mes chatons. Dis donc, les tatons, ils sont pas contents. Et puis, tata, je vais y dire à tata Audrey que tu refuses de manger ta pâtée. Elle va venir, elle va gronder. Allez, mes chatons, je vous souhaite une bonne soirée, mon kidou aussi. Mange doucement, mon ange. On a ouvert côté nord, ça fait du bien. Côté sud, il fait un peu chaud. Bonne soirée. Profitez bien, bon courage pour les devoirs, les enfants, les étudiants également. Et bon courage pour ceux qui travaillent la nuit, le soir, etc. Et mon kidou, bah, tu te lèves encore 5h30 demain. 5h30. Voilà. Oh, Fluxitude, bonjour. Non je vous fais de gros bisous. Et puis demain, j'ai les comptes à faire, absolument. Il faut que je fasse les comptes, je ne sais plus où j'en suis là. Il faut que je fasse les comptes. Que je détende mes deux lessives, que je regarde où j'en suis, et montage du weekly vlog numéro 32 que je n'ai pas pu vous mettre dimanche. Voilà, et encore pardon. Allez mes chatons, gros bisous. Allez, on mange, Nini, ça va refroidir. Mais non, mange froid. Quelle bête. Youhou, good morning. Nous sommes mercredi matin, le 8 septembre. Ça vous dit rien, le 8 septembre? Moi, ça me dit quelque chose. Je suis née le 8 septembre. Alors, joyeux anniversaire, Caramella, je te souhaite un joyeux anniversaire. Non, je fais des gros bisous à ma sœurette d'amour, ma sœurette jumelle et ma grouille. Je te fais de gros bisous, je te souhaite un joyeux anniversaire et beaucoup de bonnes choses pour toutes les années à venir jusqu'à la fin. Voilà. Il est exactement 11h15, mes chatons. Je sors de la douche. J'ai même mis un petit peu de rouge à lèvres. J'ai mis exactement un petit rouge à lèvres Wapa. Oh, il est vieux. Hein, que j'avais eu chez Nose à 99 centimes. C'est le 018. Et vous allez voir, je m'en sers en baume à lèvres. Vous allez voir, je l'ai hyper utilisé. Voilà. Vous savez, c'est les petits rouges à lèvres transparents, en gel. Et puis au milieu, il y a un petit cœur. Attendez que je vous le montre correctement. Voilà. Il y a un cœur coloré, rosé. Voilà. En gel. Oui, je m'en sers en baume à lèvres à la maison. Et ça donne ça. Impeccable. Aujourd'hui. Beaucoup de choses à faire, mes chatons. J'ai pas pris le temps de petit déjeuner parce que il est déjà 11h15. Donc, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu petit déjeunes ou tu manges? Je mangerai. Ouais, j'ai pas très faim. Ouais. J'ai la litière de mon tout petit à faire au propre. Passer l'aspirateur partout. Vider le lave-vaisselle. Ranger mes deux lessives qui sont sèches et les plier. Ensuite, faire les comptes. Et je voudrais faire le montage de mon weekly vlog numéro 32. Oui, que vous n'avez pas eu dimanche encore. Pardon. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais m'atteler à vos messages sur ma chaîne. J'ai des nouveaux messages qui sont tombés. Regarder ma banque, mes emails, répondre à toute ma famille. Que j'embrasse et ma belle famille qui ont eu la gentillesse de mettre joyeux anniversaire, voilà, Stéphanie et Stéphane et Maëlys, ses frères, Adrien et tout ça, Juliette, Jean-Claude, nos nouveaux potes océanamericains, voilà,
mon kidou, ma sœurette d'amour, mon papa, etc., etc. Voilà, et puis je m'attellerai à tout ce que j'ai à faire cet après-midi. Ah, mais la grosse, faut qu'elle se mette à coup de pied aux fesses, hein. Et puis je vais faire une petite vidéo individuelle, parce que regardez, j'ai reçu un gros colis d'une abonnée. D'ailleurs, je te fais un énorme bisou. Je viens de le recevoir, ça a sonné à la porte il y a une demi-heure. Ouh. Attends, je suis à l'envers. Voilà, et ça vaut bien une petite vidéo, franchement, merci. Je suis pourri gâtée par ma communauté. Donc, j'ai le baume au cœur aujourd'hui. Allez, il commence à faire chaud. Je me demande s'il faut que je ferme complètement. Ben, qu'est-ce que vous feriez, vous? Qu'est-ce que vous feriez? Il prévoit encore des 30-32 degrés, hein. Il fait déjà 24 dans l'appart. J'hésite. Bon, allez. La grosse, elle s'installe devant sa tablette. Elle répond à tout le monde. Elle regarde sa banque et tout. De toute façon, il faut que je fasse les comptes, hein. Allez, je vous fais des bisous. Mon Lunus a refait dodo. Ah, je suis contente, les enfants. Mon Lunus a bien mangé cette nuit. A fait une pisse moyenne, donc à surveiller. Voilà. Mais il a mangé. Et là, ça me ravit. Allez, à tout à l'heure. Un peu plus tard pour le plateau repas. Et puis, je verrai au fur et à mesure. Il faut que toute cette petite liste-là soit rayée. C'est. Et mon weekly vlog numéro 32. Promis. Pas bien la grosse, pas bien. Avant de manger mes chatons, il est midi et quart. Je voudrais faire la litière de mon tout petit et passer l'aspirateur. Oui, j'ai le temps de manger, hein. Mes mères, elle a de la réserve. Donc, eh ben, pour ceux qui ne le savent pas et qui me suivent depuis très peu, j'utilise la Koshida. C'est 3,99€ les 6 litres. C'est la litière de chez Lidl. Et pour mettre les déchets organiques de mon tout petit, n'est-ce pas? Comme c'est bien dit, j'utilise les sacs en papier de Leclerc Drive. Voilà. Je m'en sers pour la salle de bain, je m'en sers pour la litière, bref. Voilà, et j'ai toute une réserve ici. Ma sœur m'en prend régulièrement pour emmener des vêtements à l'association contre le cancer du sein. Voilà, voilà, voilà. Alors, elle récupère pas d'argent. Justement, c'est pour. Elle donne des vêtements pour faire des sous au cancer du sein. Voilà. Donc, je vais faire la litière du petit et je vais passer l'aspirateur. Vous m'aidez? Allez. Ils sont bons, mon tout petit. Ils sont la rose. Dans la litière. Si, c'est un bon du fessier. Mes chatons, il est exactement 13h. Faites pas attention, je viens de m'humidifier le visage et le haut du corps et les cheveux avec de l'eau fraîche de thé vert, vous savez, en spray. Voilà, spécial spa. Voilà. Allez, mon assiette est chaude, on va manger. Des pâtes chaudes avec de la bolognaise et saucisse de Francfort. Mais rien que ça. J'ai une de ces tronches, moi. Je suis contente. J'ai vidé la vaisselle. J'ai fait la litière en entier. J'ai passé l'aspirateur partout. Et je viens de ranger mes deux grosses lessives de linge que j'avais faites en retour de Lyon. Voilà. Il me reste encore après manger. Les comptes à faire et mon montage de mon weekly vlog numéro 32. Priorité aux comptes déjà, en premier, et puis après je ferai mon weekly vlog. Mais avant, je mange parce que je tremble et je me repose un petit peu parce que j'ai très mal au dos d'avoir fait le peu que j'ai fait. Comme ça, j'aurais fait tout mon planning. Cool Raoul. Eh, mais il fait chaud, hein, je transpire comme une vache, hein. Il est quelle heure? Il fait 25 dans l'appart et tout est fermé. Ellie, on mange mon Nini? Maman, elle a tout. Et il hurlait pendant que je rangeais le linge, je faisais la litière et tout, petit bonhomme. Bon. Allez, on mange mon doudou, parce que le ventilo, ça refroidit le manger. Allez, bon appétit, et puis on se retrouvera tout à l'heure pour les mathématiques. Titique! Exactement. Bon appétit. Il est exactement 14h15, mes chatons. J'ai vérifié, je suis à jour dans mes messages, j'ai regardé un petit coup mes comptes vite fait. Et là, je vais m'atteler à mes mathématiques
Titic! Allez, on va faire les comptes. Oui, parce qu'il y a les dépenses d'autoroute, d'essence, etc., les courses. J'ai reçu le loyer, comme vous pouvez voir. Donc, allez, calculatrice, stylo, on y va? C'est parti? C'est parti! Les mathématiques tic-tic sont terminées. Il est maintenant 15h. Je vais m'atteler à commencer mon weekly vlog numéro 32 que j'ai pas réussi à vous mettre dimanche dans les temps. Ma foi, le principal, c'est de le voir, hein, comme je dis. Hein. J'ai fait les comptes, là, c'est une catastrophe. Moi, il me reste encore un tout petit peu de quoi faire 2 semaines de course sur 3 semaines. Et mon kidou est dans le rouge total, il est déjà à moins 120€. Bah oui, hein, de toute façon, il a touché à peine 1000€ d'ACEDIC. Moi, je touche à peine 1000€ d'invalidité. Il n'y a pas de CAF, on n'a pas de CAF, on n'a pas d'aide au logement, on n'a rien du tout. Et avec un loyer de 630€, c'est pas possible. EDF, les téléphones, etc. Bah, comme tout le monde, quoi. Voilà. Bon, l'autoroute, etc., les dépenses superflues. Voilà, de toute façon, c'était sûr. Hein. Le mois prochain, il aura son salaire entier. Bon. Il est au SMIC, mon guidou, mais c'est toujours ça de gagner, c'est mieux que rien. Ce sera toujours mieux que les ACEDIC. Courage, courage, ma foi. On se serre la vis. Moi, ça me permet de diminuer mes portions. Aujourd'hui, j'ai mangé un peu de viande et de pâtes, mais là, je me contentais de ce qu'il y avait dans le frigo. Et puis ça me fait pas de mal, n'est-ce pas la grosse? Mon tout petit vient de manger, il a refusé toute sa pâtée d'à midi, toute sa pâtée. Je vais le donner aux poupoules ou à papy, et puis là j'en ai refait une fraîche, voilà. Il a mangé plus de la moitié. Enfin bon, la pâtée là elle est un petit peu chaude à force d'être dans l'appartement. Voilà, je le comprends un petit peu, je le force pas. Ou alors je lancerai dans l'herbe, ce sera pour les fourmis, etc. Ça contente tout le temps quelqu'un. Tout le temps un petit animal, un insecte, ce que vous voulez. Allez, je m'attelle. Voyez, là ce sont mes notes YouTube, mon ordinateur, je suis en train de le dégager. Et je vais le mettre sur la table. Je vérifie un petit coup mon YouTube, etc., mes messages. Et après, d'ici une demi-heure, eh ben, motage. Vidéo, c'est parti. À tout de suite alors sur ma chaîne. Bah ouais. Allez, bisous, bisous. Allez mes chatons. Bah, regardez, oh là, il m'a mangé tout, hein. Regardez mes chatons, il est 18h30, ben voilà. Il n'y a plus rien dans ma flamencuche. J'ai plus que la pâte, il a mangé tous les petits lardons. Kidou, t'aurais pu lui dire non, hein. T'es pas gentil, Nini, il est pas gentil. La canaille. Ce soir, salade verte avec flamencuche et du saumon fumé. Et mon kidou, pareil. Salade verte avec des petites tomates cerises, flamencuche. Et puis du pain de mie avec du saumon fumé avec un peu de beurre. Hein, mon tout petit. Et puis il va manger un yaourt nature et un brugnon. Oui, ça ronronne. Diable, dis, qui c'est qui a mangé les petits lards? Regardez-moi ça, ma flamencuche, il n'y a plus rien dessus. Ou le pavot. Allez, mes chatons, je vous dis bon appétit. Ma petite famille se joint à moi. Je viens juste d'éteindre l'ordinateur et de vous mettre le weekly vlog numéro 32. Ouf, j'ai mis toute l'après-midi à le monter. Voilà. J'espère qu'il vous plaira, mes chatons, que le montage vous plaira, etc. Moi, je vous dis bonne soirée, bon appétit, et puis à demain matin. Demain, je voudrais continuer. J'ai un petit drive à valider, même si je viens de faire les courses. Bouf! Et puis, j'aimerais bien faire 2 petites vidéos, parce que, bah, vous savez, j'ai pas de vidéo d'avance. Et puis en ce moment, j'avoue, je ne vais pas chez Nose, tout ça, raison financière, hein. Il faut que je limite les dépenses. Et puis, mes stocks sont assez pleins. Donc, voilà. Ah, c'est mon four qui est chaud. Bon, allez. Flamencuche sans lardon, ça vous dit? Petit monstre. Ouh, c'est lui le coupable. Eh bien, t'auras pas de saumon. Non, c'est pas vrai. Allez, je vous fais un gros bisou. Et puis, boba.
Bonne flamencus, hein. Vive l'Alsace. Bisous à Juliette et Jean-Claude. Youyou, nous sommes jeudi matin. Enfin, il est 11h. Mon réveil vient sonner. Oh, la nuit fut mouvementée, les amis. Mouvementée, veuillez m'excuser. Il y a eu des orages, mon tout petit, il a fait plusieurs fois sa pisse, il a réclamé au moins 3-4 fois sa pâtée. Voilà, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Ah, j'ai pas mal de choses à faire. Je voudrais continuer mes montages vidéo. Je vais aller mettre une lessive en route. Je vais courir à la salle de bain parce qu'au moins, quand on a pris la douche, on est réveillé. J'aimerais bien faire un ou deux petits gâteaux si j'ai le temps. Mais je vais utiliser des sachets, vous savez, des sachets rapides pour ajouter des œufs, du lait, pof, et c'est fait. Je vais faire ça vite fait. Donc peut-être que je ne vais pas le monter en vidéo. Hein. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ah oui, et puis mon drive pour demain. Oh, tranquille. Bon, allez, là, je cours à la salle de bain et je mets ma lessive en route et je vais à la douche. Mon tout petit a mangé, il fait son dodo. Impeccable. Il y a eu des orages et là c'est tout gris mais c'est très 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 poisseux, vous savez, chaud et humide. Il y a eu des beaux orages, ouais, cette nuit. Mais pas très violent quand même. J'ai entendu un truc qui est tombé sur le balcon, je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, puis j'ai des vidéos, je voudrais faire une vidéo parce que j'ai reçu un colis d'une petite abonnée, Véronique, je te fais de gros bisous, je te remercie. Pour y gâter, j'ai déjà jeté un petit œil. Voilà, voilà. Et puis bon, on va y aller par petites étapes. Allez, lessive et la douche. Ah, parce qu'il y a des mouches. Ah, il y a des mouches. Youhou, nous sommes vendredi matin. Il est exactement 10h30. Un peu plus que 10h30. Mon réveil vient de sonner. Et je viens de préparer mon petit déjeuner. Ah, oui. Je m'oblige à me lever, hein, sinon je dormirai toute la journée. Je suis fatiguée, mes chatons. Alors, ce matin, je vais me faire un petit déca, comme d'habitude, hein, dans une petite tasse. Je crois que c'est une abonnée qui me l'avait offert. Oui. Trop mignon. Un petit déca de la marque Repère, voilà. Plantation. Avec du beurre et du pain de mie complet. Ouais. Alors, je mangerais bien avec de la confiture et tout ça, mais j'en ai plus de confiture. Ouais, tant pis. J'ai oublié d'en mettre dans mon drive. Aujourd'hui, mes chatons, veuillez m'excuser. Oh là, je vous dis pas, ça fait 15 jours à peu près, une semaine, 15 jours que j'ai l'omoplate, un nerf de coincé dans l'omoplate, c'est une catastrophe. Oh, ça fait mal cette connerie. Aujourd'hui, eh bien, je vais aller faire quelques courses. Je vais retourner à Grand Frais. Il me faut encore quelques bananes, quelques clémentines, quelques pommes et une salade. Voilà. Un petit complément de course, quoi. Et puis, je vais aller chercher mon petit drive. J'ai fait 30 euros de drive, là. Un petit complément de début de semaine. Voilà mes chatons. Et puis, tranquille, quoi. Puis là, j'ai quelques petits messages qui sont tombés sous mon dernier weekly vlog. Je suis contente, vous voyez, au lieu de l'avoir dimanche, vous l'avez eu mercredi, ça fait pas trop de décalage. Veuillez m'excuser, ça ne se fait pas de bailler en vidéo. Bon allez, à table, je petit déjeune, je regarde ma banque, tout ça, et puis après, tranquillement, fin de matinée, j'irai me laver. Et puis voilà, ce matin, il pleuvait à seau, ça fait du bien. Mais il fait quand même 24, hein. C'est humide. Et chaud quand même, 24 pour moi c'est chaud. Hein. Ouais. Et jusqu'encore fin septembre, il prévoit du chaud, 26 et des orages. Ouh. Pardonnez-moi. Aïe. Oh la vieille. Allez, bon appétit et puis à tout à l'heure. On se retrouve sur ma chaîne. Bisous. Je vous reprends mes chatons, il est exactement midi et demi. J'ai regardé deux, trois petits messages qui sont retombés depuis, sous ma dernière vidéo weekly vlog. Et puis là, ce matin, j'ai regardé quelques vidéos de youtubeuses. Et puis, je suis allée à la douche. Voilà, tranquille Mimi, là, je ne me suis pas encore maquillée.
Alors, à midi, pâtes et bolognaise. Voilà. Et puis, il y a même des morceaux de saucisse de Francfort. Voilà mes chatons. Mon tout petit est dans son cube et il commence à avoir le nez qui frétille. La petite truffe qui frétille. Hein, mon tout petit pas grand, dès qu'il est. Nice. Ninis. Tu bonhomme, ça. Il va bien, il a fait sa pisse. Mon bébé d'amour. Petit bonhomme. Veuillez m'excuser, j'ai la main qui tremble. Eh oui, j'ai une myopathie. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, ta qualité de vidéo est encore plus dégueulasse qu'avant. Voilà. Mais désolée, non, c'est pas la caméra qui merdasse. Hein. C'est moi. Je m'excuse d'avoir une myopathie et d'avoir des tremblements. Ah, voilà ma pouille-pouille. Coucou mon bébé d'amour. Tu veux un petit peu de bolognaise? Il a fait sa pisse et il a bien mangé. Oui, mon nom, c'est un bon gamin. Viens, maman. Viens, maman, mon bébé d'amour. Maman va donner petit peu. Enfin, quand il va voir que c'est de la bolo, il va pas en vouloir. Ça va, ma puce d'amour? Il va mieux, mes chatons. Voilà, je vous donne des nouvelles. Je vais aller y chercher... j'attends sa commande de petite pâtée Leonardo. Mais elle sera pas là avant lundi après-midi. Donc, comme il me reste que 4 pâtés, eh ben, je vais aller en chercher dans un petit magasin spécialisé. Voilà. Je vais y en prendre 2 poissons, 2 poulets. Comme ça, il va goûter un autre goût aussi. Ah, mon bébé. Allez, sur ce, on mange. Et puis, je vais m'acquérir un petit peu. Vite fait, bien fait, hein, parce que je fais que quelques courses. On mange, mon titi? Oh, mais j'en connais un qui s'impatiente. Hein. Petit bonhomme. Allez, bon appétit. Mes chatons, je vous reprends. Il va être 14h. Regardez-moi ce déluge. Je dois partir en course d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous avez vu ça? Et ça fait une demi-heure que ça dure. Nous sommes en train de faire une piscine sur la terrasse. C'est l'horreur. J'ai vachement envie d'aller faire les courses. Oh là là. Faites-moi ça. Ça va être tout inondé dans les campagnes. Ça fait une demi-heure que ça dure. Je suis obligée de tout fermer. On rentre dans la maison. Enfin, dans l'appartement. Ouh, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais mon tout petit, il est bien... Il est bien à la maison. J'ai été obligée d'allumer. Je vais vous montrer mon make-up. Voilà. Alors là, je suis en lumière artificielle, hein, mes chatons. Je vais zoomer un petit peu. J'ai mis un petit highlighter. Est-ce que si je me mets comme ça? Voilà, un petit highlighter dans les tons bleus. Alors mes chatons, je vous reprends. Veuillez m'excuser, j'avais plus de micro. Je me balade avec ma batterie externe, la batterie externe de mon Kidou. Donc je vous montrais mon petit highlighter, voilà, dans les tons bleutés. Je vais me mettre à un endroit que vous puissiez voir correctement. Vous allez voir tous ces fils, hein, mais tant pis, hein, je ne peux pas faire autrement, sinon vous n'avez pas de vidéo. Alors voilà ce que ça donne. J'adore le petit make-up. Je vais zoomer un petit peu. J'ai bien estompé, évidemment, le make-up des yeux. Voilà mes chatons. Allez, je vais vous montrer ce que ça donne avant de partir. Donc, je vais mettre mes baskets sardines de chez Nose. Vous savez, les baskets sardines à 3,99€. Oui, à mon avis, ça leur va bien, un peu d'eau. Je vais vous montrer également ma tenue du jour. Je vais zoomer. Hop. Alors, ne faites pas attention à tous ces fils. Là, ce sont mes micros, ma batterie externe qui est là. Voilà, j'ai mis un t-shirt Décathlon à 5€ et mon pantalon Décathlon à 10€. Je vais mettre des petits pieds, vous savez, des chaussettes sans pieds dans mes baskets. Et voilà.
Je vais quand même prendre un caouet, vu qu'il pleut à grand d'eau. Alors, je vous montre mon make-up proche de la fenêtre, comme ça, vous voyez. J'adore ce glow. Léger, petit blush. J'aurais plus qu'à me coiffer. Voilà mes chatons. J'ai mis ma petite montre, des boucles d'oreilles Shein, celle-ci, j'avais eu dans les 3 euros, des petites puces AliExpress à 60 centimes la paire, ensuite une bague, jolie zoom, une bague de chez Nose à 99 centimes, un petit bracelet de chez Nose à 1,49€, et un sautoir de chez Nose, je crois que c'est 1,49€ également. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer mon make-up. Il ne pleut plus. Enfin si, mais plus à grand eau. Je vais pouvoir filmer au frais. Alors, j'ai mis en guise de fixing spray le Max & More de chez Action à 1,99€. On ne change pas une équipe qui gagne, j'en ai rentamé un autre par contre. Ensuite, en concealer illuminateur, celui de chez Georges de chez Nose à 99 centimes, moyen, moins. Pour fixer mon make-up, je suis en train de finir le petit concealer crème stick MUA de chez Nose à 99 centimes. C'est le Natural. Ensuite, pendant que j'y pense, en eau de parfum, j'ai mis ma dernière petite eau des Alpes, voilà, mûre et musc, à 1,75€ de chez Nose. Je l'adore. En rouge à lèvres, toujours de chez Nose, j'avais eu un duo de chez Technique à 1,39€. J'ai gardé que celui-ci en couleur. L'autre, je l'ai donné à une copine youtubeuse, Céline. Je te fais de gros bisous. Je n'ai plus beaucoup de nouvelles. Ensuite, en base de mascara, j'ai mis toujours ma P2. Voilà, 99 centimes de chez Nose. Mon mascara Miss Sporty que j'essaie de finir, j'en ai encore plein d'avance, 2,49 de chez Action, je l'adore. J'ai pas mis de crayon sur les yeux. En poudre, j'ai mis ma P2, ma poudre lip P2 à 1,99 de chez Nose, la 0,10. Ensuite, mes sourcils, j'ai utilisé une palette de chez Nose à 1,99 de chez MUA Makeup Academy. C'est la Fair. Je l'ai en double et j'ai utilisé cette couleur-ci. Voilà, avec cette couleur froide. J'ai mélangé les deux et j'ai fixé avec la cire qu'il y a dedans. J'adore ces palettes. Elles sont assez fragiles par contre à transporter. C'est pour ça que quand je suis allée chez à Lyon, je ne l'ai pas emmenée. J'ai emmené la petite de chez Action comme ça. Ensuite, mes chatons, en highlighter, j'ai utilisé ma palette Revolution Beauty. Voilà, elle est en miettes. La Ultra Cool Glow, que j'avais eu 10€ sur le site. Pas de promotion. Hop. Voilà. Oula. Et j'ai utilisé cet highlighter là qui tombe en ruine. Voilà. C'est un rose au reflet bleu. Je fais doucement parce que vous allez voir. Regardez. Vous voyez? Très très joli. Enfin, selon moi. J'adore. C'est surtout celui que j'utilise d'ailleurs avec le doré. Mais bon, intransportable cette palette. Intransportable maintenant qu'elle est cassée. Ensuite, un blush. J'ai utilisé un petit blush, toujours Evolution Beauty, un blush cuit comme ça. C'est le Bang Bang Your Date. Ils les font plus, hein, je crois. Je les avais eu à 69 centimes en promo. Il est comme ceci et je vais vous faire un swatch. Voilà ce que ça donne. J'ai mis le blush et l'highlight. Voilà.
toc, je m'essuie les mains. Ensuite, en palette, eh ben, c'est tout simple. J'ai utilisé encore une palette Mini Prix, ma palette dépotée de chez Action, que vous trouvez tout ici. Tout ça et les trois qui sont là. Hup là. Avec le vert qui est là. C'est le bazar. Oui, ça ne veut pas bien coller. Mais bon, tout ça c'est du Mini Prix. Hein. Donc j'ai utilisé... Ah, c'est pas vrai. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci pour le creux de banane. Celui-ci pour alaiter le dessous du sourcil. Celui-ci sur toute la paupière mobile. Et un petit là carré pour le coin interne. Voilà, je vais vous faire un swatch des deux principaux. Celui-ci et celui-ci. Voilà, pour les yeux. Les deux couleurs principales sur la paupière mobile et le coin interne. Et le reste, c'est du nude. Palette Action. Voilà, voilà, mes chatons. Il me semble que je vous ai tout dit. Mascara. Alors, sourcils, yeux, mascara, où j'allais? Eh bien oui, je vous ai tout dit. Un coup de brosse à cheveux. Et je partirai vers... Attendez, je ramasse mon parfum. Excusez-moi. Je partirai vers 15h moins le quart, 15h. Ça y est, ça retombe de plein de plus belle. Allez, je vous remontre ça. Alors, en lumière naturelle, ça donne ça. Bien sûr, les cernes, il y en a toujours. Hein. J'ai pas mis d'anti-cerne. Ah là là, c'est reparti, moi, Kiki, je crois que je vais me faire saucer. Qu'en pensez-vous? Mettre un kawaii, hein, quand même. Si je suis à l'abri, ça va. Sinon, je mettrai un kawaii. Allez. Sur ce, on se retrouve avant de partir. Je vous montrerai ma tenue complète. Je suis obligée de fermer, on dirait une étuve là-dedans. Une étuve. Bon allez, à tout à l'heure mes chatons. On se retrouve pour le départ. Allez mes chatons, je vous montre ma tenue complète. Hop, ah, il pleut plus. Uf. Voilà, je vais pousser mon linge. Je zoome un peu. Hop. Voilà, et je voulais vous montrer mes baskets. Voilà, voilà mes chatons. Hop, ce que ça donne. Voyez ? Mes baskets sardines, ça va bien avec mon haut t-shirt rose. Qu'en pensez-vous? Voilà, voilà. Bon, allez, profitons-en, il pleut plus. Qu'en pensez-vous? On y va? Est-ce que je prends un impair? Je ne sais pas trop. Il fait chaud là-dedans, mais j'ose pas laisser ouvert parce que même avec les volets. Parce que s'il fait une tempête, ben ça va pas le faire dans l'appart. Putain, pardon, il fait 24. En tout petit, ben, il va nager. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure au retour des courses. D'ici 1h30, 2h. Je vous confie mon bébé. Il est en train de faire son dodo. Regardez. C'est mon tout petit pas grand. On ne fait un gros soupir. Fais dodo, mon ange. Regardez. Tout à l'heure, j'ai LS qui a sonné. Ouf, je suis trop contente. Il lui restait plus que 4 pâtés, là. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 pâtés. Eh bien, j'ai reçu ma commande. J'en ai eu pour 54€. Et je lui ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6. 36 pâtés comme ça, poisson. Voilà. 54€ les 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Je vais revérifier, mais normalement c'est ça. 6 x 6, 36. Voilà. Donc 54€ les 36 pâtés de 200 grammes, il me semble qu'elles font. Ouais, c'est ça. Heureusement, parce que sinon, tiens, j'étais obligée d'aller dans un petit magasin, aller rechercher des pâtés qui fait du Leonardo. Voilà, moi j'y prends ça maintenant. Alors, il y a moins cher hein, par boîte de 800 grammes.
Mais les 800 grammes, il les mangera pas. Déjà, les 200 grammes, une fois qu'elles sont entamées, il en veut plus. Donc, c'est un chat de luxe, hein. N'oubliez pas. Un chat d'égout, mais les égouts étaient en or. Hein. Oui. Allez. Ah, mon bébé d'amour vient de faire un gros boyou, maman. Ça va, ma poupée? Bon, ils sont fait pas beau, maman. Hein, il y a des gros auras, c'est tout moumouille dehors. Papa, il l'ouvrira. Bon, allez, maman, elle y va parce que c'est une vraie tube. À tout à l'heure, ma poupée. À tout à l'heure, les abonnés. Attendez, je vous vois pas, j'ai mon écran qui est retourné du mauvais côté. Fluxitude. Bonsoir. Allez, en course, c'est fini. On arrête de bablater. 15h moins 10. Dépêche-toi, la grosse. Me revoilou des courses, il est exactement 16h30. Je suis partie à quelle heure? 15h moins le quart, je crois. 15, 16, ah ouais, 1h45. Et vous voyez, je suis passée de nouveau chez CA un petit coup. J'ai pris les mêmes culottes que j'avais prises en noir, je les ai prises en blanc. Voilà, j'ai pris du XL et je les ai payées 7,99€ les trois. Voilà. 7,99€ les trois culottes blanches. Et maintenant, il faut que je me trouve trois soutiens-gorge blancs. J'irai chez Iman. Ma sœurette d'amour m'a dit qu'il y en avait. Hey, mais c'est une horreur. C'est humide, orageux, il pleut. Après, il fait beau et il fait 26. Non, mais à l'ombre. Bon, allez, je range les quelques surplus de courses que je viens de ramener du drive et de grands frais que je vous montre là. C'est en complément du drive que je vous ai fait lundi. Voilà, j'y suis retournée un petit coup là cet après-midi, vendredi après-midi là, pour faire un petit complément. J'ai toujours peur qu'il manque d'ici une semaine quoi. Mais il n'y a pas grand chose. Mais malgré qu'il n'y ait pas grand chose, ben j'en ai pour un bon prix. Ouais. Mon tout petit est trop content. Papa est rentré. Et mes deux hommes sont sur la terrasse. Regardez-moi ce petit bonhomme. Il n'est pas mignon? Voilà. Allez. Je vide les courses. Et soit je cours à la salle de bain, soit... On va peut-être aller chez Didier. Il a une nouvelle petite fille. Hein. À moins qu'il ne soit pas chez lui. Je ne sais pas, à suivre. Je range déjà les courses. On verra après, soit on se retrouve pour le plateau repas, ou alors je vous dis qu'on repart. Ah oui, mais ça me ferait triste de laisser mon Linus. Bon allez, on range les courses. Ça vous dit? C'est parti. Bah si, il faut, il y a du surgelé. Nommé. Ben, j'ai honte mes chatons. Devinez, 18h30, au lieu de faire un repas normal, qu'est-ce qu'elle a fait la grosse? Elle s'est goinfrée de deux paquets de cacahuètes enrobés, vous savez, bacon et salé. Elle a mangé des barres de céréales au chocolat, des chips et elle va manger des glaces. Pas bien. Il y avait longtemps que j'avais fait une crise de... Comment ça s'appelle quand on mange plein comme ça d'un seul coup en peu de temps? Attendez, je vais vous trouver ça. Moi, j'ai beaucoup un peu de temps. Alors, je suis sûre qu'il y en a déjà qui ont trouvé. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Mon Kidou, lui, a mangé que quelques cacahuètes. Il a été raisonnable. Hein, Lily? Et mon tout-petit, lui, vient de l'échouiller un petit peu sa pâtée. C'est quoi cette corne? Alors, manger beaucoup un peu de temps. J'arrive jamais à... Hyperphage. C'est l'hyperphagie. Oui, je fais de l'hyperphagie en fait. Voilà, c'est ça. Et là, ce soir, j'ai fait de l'hyperphagie. Voilà. C'est mon tout petit pas grand qui a vu que son papa amena son plateau. Mimi. Mon bébé d'amour. Oh, ma petite grenouille des îles. Viens, maman. Viens, viens. Non, maman bébé, qu'est-ce qu'il mange de bon? Alors, nous avons des pâtes. Ah, mais c'est ce que j'ai mangé à midi. Avec de la bolognaise et des saucisses. Un yaourt nature qui se trouve là-bas avec de la compote d'abricot. Tu manges du pain et de pommes. Et là, nous avons un tout petit qui s'énerve parce que papa a sorti de la bolognaise.
Allez mes chatons, moi je vous fais de gros bisous. Mon Kidou et mon Nunus se joignent à moi. Bon appétit les garçons. Tu m'as donné envie. Oui, du pain. Du pain. Qu'est-ce qu'on pourrait manger avec du pain? Mon Nunus et moi, avec mon Kidou, on vous fait de gros câlins. Et puis on vous dit à demain matin. Demain matin, c'est ménage. Hein. Ça fait 15 jours que je ne l'ai pas fait. Bah oui, puisqu'on est parti sur Lyon. Et du coup, je n'ai pas fait mon ménage. Donc là, il y a double épaisseur de poussière à faire. Mon Kidou se reposera. Tu t'occuperas du tout petit? Et il me fera des frites maison. Ouh, la grosse, elle n'est pas prête à maigrir. Mon Kidou, c'est le roi des frites. Hein? C'est qui le roi de la frite? C'est papa. Oh, bah, tu ne t'y donnes rien? J'y avais coupé une petite... Hein? Oh là, non, vous inquiétez pas, je vais y piquer des saucisses et je vais y couper un petit bout. Allez, bonne soirée mes chatons, à demain matin. Ouh, il n'est pas gentil, papa, ouh. Coucou. Nous sommes samedi matin, il est exactement 11h moins quart, monsieur le placard. Et je surveillais depuis un quart d'heure. Et j'ai pas le temps de manger. Non. J'ai pris le temps de regarder s'il y avait un petit oiseau, Madame Pivert, dans l'arbre. Faire un câlin à mon fils, prendre le médicament, et voilà. Allez, ménage. Bah oui, hein, ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait le ménage parce que nous sommes partis sur Lyon. Je vais repartir sur Lyon, comme ça je ne ferai pas le ménage. j'ai préparé mon produit. C'est Mariette Authentique, spray dégraissant nettoyant. Voilà, au savon de Marseille, que j'ai eu chez Action, à beaucoup moins de 2 euros, les 750 ml. J'adore ce produit, il ne me fait pas de crise d'asthme, et c'est génial, il sent super bon. Je fais tout avec ça, tout. Sauf la salle de bain, bien sûr, la baignoire, je fais avec de la mousse nettoyante, etc. Mais je fais tout avec ce produit. Qui c'est qui le fait à ma place? Allez, vous êtes 5400 pour 66 mètres carrés, on y arriverait en 2 minutes. Allez, mes chatons, ménage. Qui dit ménage dit nostalgie. On met nostalgie et on astique. D'ailleurs, mon Kidou vient de me mettre de la crème chauffante à mon omoplate gauche parce que je suis coincée depuis 2 semaines. Mais faut mourir ici, hein. Faut mourir pour être soignée, je te le dis. Hein. Allez, c'est parti, ménage. Oh, bah, j'en ai pour 2 heures. Hein. Bah oui, 2 heures, parce que là, avec mon omoplate, hop, j'ai pas envie. Il est la grosse. Bûche-toi. Tant que t'as pas fait ton ménage, tu manges pas. Ah, là, ça va me dire m'amuser. Allez, ménage, on transpire. Nostalgie. Oh, je fous le jeton. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette coupe? Bon, mes chatons, il est exactement 13 heures, nous allons manger. Nous avons fini le ménage, c'est un cochon. Alors, j'ai plus de pied, mes chatons, vous savez, j'avais un trépied manuel, il est cassé. Donc je viens d'en commander un, 88 euros, sur Amazon, c'était moins cher. Bon, sur ce, d'ici lundi que je reçois mon nouveau pied, je vais vous présenter les plateaux repas. Là, ça va nous requinquer, mais quelque chose de bien. Il y a monsieur le roi de la frite qui est passé par là. Alors, j'essaie de pas vous faire tomber mes chatons dans les frites. À midi, c'est une escalope milanaise avec des frites maison. Sentez-moi ça. Santé. Et bien, mon Kidou, c'est pareil. Et puis après, il mange du chèvre avec de la moutarde. Vous êtes floux. Sentez-moi ça. Non, j'en vois un qui en pique une. Hein? Avec des clémentines. Ah, avec des clémentines. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est bourrée. Allez, mes chatons. Il y a mon tout petit, là. Attendez, c'est pas facile sans pied. Moi, je vous le... Aïe, boum! Oh, boum, la tête, maman l'a fait! Oh, mon bébé! Elle a mis un coup de coude dans la tête de mon fiston! Allez, mes chatons, je vous dis bon appétit! Ah oui, mais vous ne pouvez pas m'attraper de frites. C'est à moi. Il faut entretenir les bourrelets. Allez, à plus tard, mes chatons. Bon appétit! Et je redonne un petit bout de poulet à mon Linus. Il est gourmand comme sa mère. Eh bien, mes chatons, je suis désolée, je ne vous ai pas repris, ça ne servait à rien. Je vous aurais filmé ma tronche en train de dormir.
J'ai fait ma sieste jusqu'à 16h15. Ouais, une grosse sieste, j'étais fatiguée. J'ai regardé les commentaires, ma banque, etc., mes emails jusqu'à 15h. Et j'ai dormi 2h. Voilà, et là je sors de la douche. Voilà mes chatons. Je m'habillerai au dernier moment, il s'est prêt. Je mets un legging et une grande tunique. Et puis voilà, j'ai quand même mis mes bijoux pour l'instant. Je vais aller me maquiller. Il est quelle heure? 17h, on a rendez-vous à 18h30. Oh, on va être obligé de laisser mon pioupiou des îles. Ça me fait triste. Ouais. Alors, ça va tanguer un petit peu pendant un moment, mais ça y est, j'ai commandé ma nouvelle. Comment ça s'appelle? Ma nouvelle canne de vlog, quoi. Télécommande intégrée et tout. Ouais, 90 euros, mes chatons. Enfin, il faut bien ça. Parce que là, à la main, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, allez. Je me suis mis face au ventilo parce qu'il fait lourd, il fait lourd, il fait combien? Je peux pas tourner la tête. 24 dans l'appartement. Je suis toujours coincée. J'ai fait aucun soin. J'ai juste fait mes sourcils et rasé comme d'habitude, sous le bras, tout ça, tous les semaines. Mais sinon, aucun soin, mes chatons, vous saurez tout. J'ai pas le temps. Voilà. Tant pis. Tant pis. Là, j'attends un petit peu. Je suis face au ventilateur pour sécher et je vais me maquiller un petit peu en kaki. Je vais faire un truc léger. Léger. Mon bébé d'amour, mon petit nunus d'amour. Oh, ma petite crapouillette. On ne se gratte pas, mon mouille. On ne se gratte pas. On va se faire bobo. Voilà. Bon, eh bien, allez. Je vous reprends pour vous dire ma tenue et mon make-up. J'attends un petit peu, je sèche là, parce que quand on sort de la douche, ça vous fait pareil, moi? Vous? C'est l'horreur, hein? Moi, je peux retourner à la douche après. Hein. Je me suis aspergée de la moitié de ma bouteille de parfum. Bon, allez. Ça va, ça sent beau, il n'y a pas de mouche. Je me repose un peu l'omoplate et après, je vais me maquiller. Je vais mettre la ventilation dans la chambre pour me maquiller. C'est pas possible. Non. Pourtant, c'est orageux, hein, mais c'est lourd et humide. Burk. Ou allez, à plus tard. Je vous prends après. Hein? De la citrouille, je serais transformée en poubelle. Pour aller danser. Tu l'as déjà faite. Je ferai d'autres. Bon, mes chatons, il est exactement 6h moins le quart, 18h moins le quart. Je suis prête. Voilà, je suis maquillée. Alors, j'ai pas mon pied, hein, donc c'est pas facile. Voilà, mon maquillage. J'ai fait dans le doré kaki. Voilà. Un petit highlighter. Oh, je peux pas tourner la tête. Dans les tons verts. Et un rouge à lèvres crème. Kiko. Voilà mes chatons. Ce que ça donne. Je vais vous montrer un peu mieux et je vais vous développer ce qu'est mon make-up. Alors, voyons voir. Voilà, vous me voyez à la lumière du jour. Voilà mes yeux. Petit highlighter, légèrement estompé. Voilà mes chatons. J'ai mis des boucles d'oreilles CC Paris que j'ai eu à 99 centimes chez Nose. Des petits bracelets que j'ai eu à 1,49€ pour le petit matelassé et 1,49€ pour l'autre également, mais chez Nose. Et en bague, j'en ai mis qu'une. Voilà, une petite bague en acier 75 centimes de chez Nose. Voilà mes chatons. Alors, on va essayer de ne pas faire tomber l'appareil. Oula! Où est ma crapouillette? Oh, ne boude, hein? Ne boude, Nini. Nini. Oh, mon chaton d'amour. Allez, je vous emmène, je vais vous montrer. Là, j'ai mon legging. Je vais mettre un legging gris. Et en chaussures, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais point. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas. Des petites baskets, je vais avoir chaud. Je vais peut-être mettre ça. Attendez.
Je vais mettre ça, regardez. Eh, tranquille, Mimi, là. C'est les petites chaussures que j'avais à 3,99 chez Noz, vous savez. Gel confort. Des chaussures de grand-mère, mais moi, je m'en fous, je suis bien dedans. C'est en kaki, nickel. Tant pis s'il pleut. On est en voiture. Alors, mes chatons, j'ai mis la clim, hein, enfin, le ventilateur. Je vais baisser le niveau de ventil. Voilà, mes chatons. Donc, je vous montre ma tenue. Donc, une petite tunique kaki de chez CEA. Voilà, c'est une tache. Hein. Attendez. Voilà. Une petite tunique kaki de chez CEA. Mais qu'est-ce qu'il a? Il veut pas faire la mise au point. Je sais pas ce qu'il a. Attendez. Voilà. Et je mets un legging et voilà. Oh, il m'énerve, Storm. Bref. Donc, juste une petite tunique kaki, comme vous pouvez voir. Alors, les bijoux, je vous les ai montrés. Je vais vous montrer mon make-up. Alors, en make-up, mes chatons. Hop, j'essaie de vous tenir au mieux. Donc, pour fixer le tout, j'ai mis les deux. En première couche, j'ai mis le Fixing Spray Max & More de chez Action à 1,99€. Et en deuxième couche, le Fixing Spray Biphasé de chez Action à 1,99€. Ensuite, mes chatons, attendez, je tourne le ventilateur de mon côté. J'ai mes grosses cuisses qui transpirent. Ensuite, pour fixer les fards à paupières, toujours mon MUA, mon stick concealer à 99 centimes de chez Noz. Et pour les cernes, je l'adore, je vous le conseille à 10 000%, de chez Max & More de chez Action à 1,39€ ou 1€, ouais. Le petit concealer comme ça, moi c'est le plus clair, hein, que j'ai pris, il y a 3 couleurs, il est génial. Ensuite, mes chatons, pendant que j'y pense, en autre parfum, eh ben, j'ai mis le petit thé vert que j'ai eu à 3,99€ de chez Noz. Voilà. Ensuite, en poudre, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai mis ma petite P2 à 1,99€ de chez Noz. Et pour les sourcils, j'ai désespérément voulu retester de chez Sephora le petit, vous savez, la petite poudre. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la mise au point? Ah, voilà, la petite poudre à 10€, c'est l'épaisseur de sourcils. Ouais. Ben, sans plus, hein. Je le mettrai pour faire les courses et puis voilà. Et je l'ai fixé avec, toujours de chez Sephora à 10€, mon petit crayon fixateur cire de sourcils. Voilà. Voilà mes chatons. Ensuite, pour le blush, j'ai mis un petit blush de chez WAP à 2,49€ de chez Noz. Oh, il est très vieux ce petit blush. Je l'adore. Par contre, il est très, 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 très poudreux. Tic. Voilà, il se présente comme ceci. Très poudreux. Hop, vous pouvez mettre même le mettre sur les yeux. Qu'est-ce qu'il a? Ah, voilà. Vous voyez? Veuillez m'excuser pour la mise au point. Je ne comprends pas. Voilà, mes chatons, ce que ça fait. Bref. Ensuite, mes chatons, en highlighter, j'ai pris une de mes palettes teint. Hop. Voilà. J'ai utilisé ma Ultra Cool Glow de Revolution Body. Et j'ai utilisé celui-ci. Le vert qui est là. Je vais vous faire un swatch. Voilà mes chatons. Il est hyper joli. Il a des petits reflets vert bleu. J'aime beaucoup. Je l'avais payé 10€ sur Revolution Body. Il y a un petit moment. Elle est cassée, mais je la garde. Parce que j'aime bien les highlighters qui sont à l'intérieur. En rouge à lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres Kiko. Les Velvet Matte, c'est le 320, pardon, si ma mémoire est bonne. Hop, il est trop beau. Et ils tiennent super bien. Je vous les conseille à 10 000%. Voilà, il est magnifique. Et il sent la vanille.
Pour les yeux, j'ai utilisé deux palettes différentes. J'ai utilisé tout d'abord à 2,50€ ma petite LA Girl que j'avais eue chez Nose. Je vais vous montrer ça. Alors, elle est en miette un peu ma palette. Hein. Veut-elle s'ouvrir? Oui. J'ai mis en premier lieu, alors, celui-ci en dessous du sourcil. Celui-ci, c'est le seul mat en creux de banane que j'ai foncé avec ce petit chocolat. Voilà, j'ai mis ce petit doré très poudreux sur la paupière mobile. Et pour faire une petite touche, vous allez mieux la voir comme ceci, pour faire une petite touche de kaki, comme il n'y a pas de kaki dans cette petite palette, et ben j'ai pris ma Models Own de chez Nose à 5€. Vous les avez eus à 2,99€ 6 mois après. Attendez, j'arrive. Voilà, et j'ai mis une toute petite touche de ce vert qui est là. Voilà, voyez, mais légèrement avec le doigt, j'ai tapoté. Et voilà cette petite palette. Je l'adore pour l'automne-hiver là qui arrive. Superbe. C'est la Super Natural. Si vous les retrouvez chez Nose, n'hésitez pas à les acheter, les Models Own. Voilà. Ensuite, en base de mascara, et ben on change pas une équipe qui gagne, toujours mon P2 de chez Nose à 99 centimes. Et en mascara, j'ai mis le Miss Sporty de chez Action à 2,49€. Je l'adore. Et j'ai mis, ah oui, j'oubliais, dans ma muqueuse, un petit crayon P2. Voilà. Que j'avais eu à 1,39€. Et j'ai mis le côté mat. D'un côté, vous avez, hop, du mat. Donc ça, je l'ai mis en muqueuse. Et de l'autre, vous avez, hop, le fard à paupières crème. Voilà, vous voyez, c'est un double embout. C'est sympa, hein. Voilà mes chatons. J'aime beaucoup ce petit produit. Allez, je range tout ça. Hop. Et je l'avais pris en double tellement c'est pratique. Sous. Oh, je m'en suis mis partout. Et ça tient bien. Franchement, ça tient bien. Dans la muqueuse. Ah, pas pratique. D'une main. Toc. Voilà, je m'en suis mis partout. Zut. Voilà mes chatons. Je vous avais tout vu concernant mon make-up. Je rezoome vite fait. Voilà. Avec une petite tunique toute simple et des leggings. Un legging, une petite... petite paire de chaussures toute simple et voilà, mes mêlées est prête. Ah, pff, il fait chaud mes chatons dans les apparts et même dehors, hein. Je sais pas pourquoi il fait pas la mise au point de suite mon appareil, je ne sais pas, peut-être à cause des problèmes de lumière, vous savez, un coup on est dans le noir un coup on est dans le jour, ouais. Regardez là, on voit bien mon lighter. Voilà, voilà mes chatons. Ouh, je vais me remettre en face du ventilateur. J'ai trop chaud. Par contre, on va être obligé de laisser mon tout petit, pas grand. C'est ça qui est moche. Allez, je vous remontre un coup. Allez, une overdose de caramella, ça vous dit? J'aime beaucoup. Maman, je suis plein nude avec des petites pointes de couleur comme ça. Ça, c'est sympa. Peut-être un appel à l'automne. Ouais, c'est ça, un appel à l'automne. Allez, mes chatons, du coup, eh ben, tiens, je vais prendre mes médicaments. Je vais regarder un petit coup parce que d'ici 10 minutes, j'ai ma vidéo, une nouvelle vidéo qui va tomber comme tous les samedis. Et puis, alors, je vous reprendrai peut-être pas ce soir. Donc, je vous dis bonne soirée. Bon week-end à tous.
Profitez bien, bon courage à ceux qui travaillent, pour ceux qui travaillent. Et puis nous, eh ben, on va passer une super soirée. En plus, on va chez une des sœurs à Mankidou et ils viennent d'adopter une troisième petite minette qui a 2 mois, qui s'appelle Praline. Elle est trop mignonne. D'ailleurs, son petit prénom lui va bien, parce que c'est moi qui l'ai trouvé, c'est tata, parce qu'elle est couleur Praline. Attendez, j'essaie de vous la trouver. Bougez pas. Je vais essayer de vous la montrer. Est-ce que je vais la trouver? Photo. Je suis là. Hop. Praline. Es-tu là, petite Praline? Toc. Oui, regardez. Vous êtes, attention, âme sensible, s'abstenir. Voilà, je vais faire connaissance de cette petite demoiselle toute charmante. Petite Praline, 2 mois. Alors, elle a déjà 2 frères qui ont 6 et 3 ans ou un truc comme ça. Elle est belle, hein, petite mamère. Donc, je vais être comme une folle et en profiter pour passer une bonne soirée. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis à demain. Profitez bien de votre soirée. Je vous fais tous de gros bisous. Et puis, on se retrouve demain matin avec grand plaisir. Et je vous donnerai des nouvelles de Praline et de mon Nunus. Je compte sur vous pour le surveiller. Hein. De toute façon, je le surveille en caméra. Vous inquiétez pas. Et puis, je vais y mettre la lumière. Comme ça, il ne sera pas dans le noir. Et on va y faire une grosse pâtée pour le soir. Voilà, petit bonhomme. Et puis, si ça ne va pas, tata l'a dit, tata Audrey, je viens à la minute près faire un câlin à mon fils. Elle a les clés, elle est comme chez elle. Mais je ne veux pas l'embêter la nuit. Non. Il faut qu'il mûrisse un peu. Hein. 17 ans et demi, il est temps qu'il se comporte comme un jeune homme. Mon Nunus. Allez, à plus tard. Et sinon, si je ne reprends pas ce soir, parce qu'il est trop tard, je vous dis à demain matin. Bisous. Et que youyou, mes chatons. Nous sommes dimanche. Il est 11h moins le quart, monsieur le placard. Mais je suis réveillée depuis un quart d'heure. Et là, je viens de préparer mon petit déjeuner. Et lourd. Ce matin, je mange. Alors, je vais faire un petit déca, comme d'habitude. Voilà. La marque Repère. Impeccable. Et puis, une grosse tartine. Enfin, je vais manger la moitié. Une grosse tartine de beurre et de chèvre. Voilà. Mais, ça vaut ça, le matin. Attendez, j'ai appuyé sur un truc. Menu. Voilà. Vivement que j'ai mon pied de caméra, parce que là, je vous dis, c'est pas pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Ah, j'ai dû appuyer sur un truc, il y a des flèches, je sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, c'est montage. Voilà, montage vidéo. Dès le repas du midi, après-midi. Qu'est-ce que c'est, Pouille-Pouille? Qu'est-ce que c'est, mon bébé d'amour? J'ai appuyé sur quelque chose, faudrait que je montre à mon kidou d'amour. Oh mais attends, je vais arrêter d'appuyer. Il va voir son papa. Bon allez, bon appétit mes chatons, bon petit déjeuner, regardez-moi ça, on va s'en mettre plein la pince. Et puis je donne ma caméra à mon kidou parce que j'ai appuyé sur des boutons. À tout à l'heure. Mes chatons, il est midi et quart, on se retrouve dimanche midi sur la terrasse. Regardez mon tout petit, il se régale. Je lui ai fait du blanc de poulet bien haché avec un petit peu de beurre. Petit bonhomme d'amour, il se régale mon pépère. Mange doucement maman. Et là, vous avez mon kidou, donc il m'a fait des pâtes avec des émincés de poulet frits à la poêle. Du chèvre et des petites clémentines. Et moi, j'ai pas très faim. J'ai une sciatique qui me coupe l'appétit. Je mange quand même des pâtes et du blanc de poulet. Voilà. Puis je viens de petit déjeuner assez tard. Ça régale ma pupuse d'amour. Oui, c'est bon, mon bouin. Hein? Oh, oui, c'était bon, ça. Petit bonheur. Sinon, mes chatons, je vais clôturer le vlog là, parce qu'après, vers 13h30, je m'attelle toute l'après-midi jusqu'à ce soir sur des montages vidéo. Mais le weekly vlog, le retour des courses,
qu'est-ce que je voudrais faire? J'ai un petit hall aussi, donc voilà. Pourtant, je dormirai bien, moi je vous le dis, je suis fatiguée. Allez, je vous laisse sur les photos, les vidéos de mon petit Nunus. Regardez, qui va beaucoup mieux. Et puis, je vous dis à très vite pour un autre vlog. Bisous mes chatons. Elle est pas belle la fin sur ce petit bonhomme qui se régale. Bisous.